Vous avez dit lorsque j'ai commencé l'église. Only had two members for six months. Deux membres pendant 6 mois. I went actually for 20 members. Je suis arrivé jusqu'à avoir 20 membres. De 20 membres à 2 membres. Within the two first months when we started. Pendant les deux premiers mois que nous avons commencé. The ministry was tough. Le ministère était difficile. Things didn't work. Rien ne marchait. I felt like I was a failure. Et j'avais l'impression d'avoir échoué. I will never make it. Et je me disais que je vais jamais pouvoir and réussir. Somebody has been into a place where you felt like you a failure. Est-ce que quelqu'un a été dans un endroit où tu penses que tu as été un échec? And somebody has been in a tough place where you feel like there is no way out. Est-ce que quelqu'un a déjà été dans un endroit où tu penses qu'il n'y a aucune issue? Can I see your hand if you've been? Laissez-moi voir votre main. Si vous avez été passé par ces moments. Quelqu'un a été dans un endroit de déception. In a place of hurt. Un endroit où vous avez mal, when vous souffrez. That happen around you hurt your life où so les much. Choses qui se passent autour de vous font tellement mal. Like I was a failure. J'avais l'impression d'être un échec, d'avoir like échoué. I will not make it. Que je n'allais jamais pouvoir réussir. Listen to me very écoutez-moi carefully. Bien. Listen to me écoutez-moi very carefully. Très bien. Your miracle, votre miracle is only in one specific word of God. Vient juste d'une parole de Dieu. You don't need God to tell you from Genesis to Revelation 1. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous dise de parler de Dieu de la génération. I was about to give up. J'étais prêt à tout abandonner. I was about to give up. J'étais prêt à abandonner. I told you one day. Je vous ai dit une fois. The only thing that kept me going. La seule chose qui m'a permis de continuer. Was what my enemy told me. C'était ce que mes ennemis me disaient. Some of the people who hated me. Certaines des personnes qui me détestaient. Came in my church. Sont venues dans mon église. They told me. Et ils m'ont dit. This church will close. Cette église va fermer. You guys just close it. Juste fermer là seulement. Someone even. Curse me on the phone. Quelqu'un m'a même maudit, insulté au téléphone. You've already failed in m'a this dit que tu as déjà échoué dans so when I was about to take off to Houston. Alors lorsque je m'apprêtais à partir à Houston. Cause I didn't want to really see these things fall down like that. Parce que je ne voulais pas voir cela ça finir comme ça. The voice of my enemies. La voix de mes ennemis. Was ringing in my mind. Était dans mes pensées. If I run away, et je me suis dit, si je m'en fous, ils vont me dire au monde entier, nous lui avons dit ceci. Sometimes God allows your enemy to say things against you. Quelquefois, Dieu permet à vos ennemis de dire des choses sur vous. So that you're not gonna run out of the course. Afin que vous ne puissiez pas fuir. I was about to go away. Je m'apprêtais à partir. But I say if I go away, et je me suis dit, si je m'en vais, these people will laugh at ces me. Gens vont se moquer de moi. Sometimes it wasn't because the Holy Spirit give me power to pas parce que le Saint-Esprit m'a donné la force but de pouvoir résister. C'était la voix de mes and ennemis. Today I can say, et thank aujourd'hui, God je peux dire merci for Dieu every enemy pour tous les ennemis that you created on que my tu as path. Créés sur mon chemin. If it wasn't for parce my enemy, si pas de mes maybe ennemis, I would have given peut-être up. Que j'aurais laissé tomber. Your enemy can motivate you. Des ennemis peuvent te motiver. They can become the fuel to empower you ils, into your ils peuvent destiny. Devenir justement ce qui te donne la force de If Anna didn't have Penina, si Anna n'avait pas Penina, Anna wouldn't pray the way she prayed. Anna n'aurait jamais prié la manière dont elle priait. Because every morning, parce que chaque matin, Penina with her seven sons, Penina et ses sept fils, will look at her, la regarder, laugh at her, se moquer d'elle, mortify her, la mortifier. Anna looks and no. Et Anna regarde et dit I non. Know if I can seek God, je sais que si je peux chercher I'm Dieu, gonna end this criticism. Je vais arrêter toutes ces moqueries. Don't cry for your enemy. Donc ne priez ne criez pas à cause de vos ennemis. Ne criez pas à cause des gens qui vous critiquent. Prenez toutes les critiques. Portez-les comme une cape de Superman sur vous. Et de plus ils vous critiquent. De plus vous priez. De plus on vous critique. De plus vous travaillez. De plus on vous critique. De plus vous étudiez. Et à la fin, Dieu va tout changer leur méchanceté. Pour votre percée. Can someone lift this hand and say thank God for my enemies? Et dise merci Dieu pour mes ennemis. The people that say you're not gonna get married. Les gens disent que vous n'allez jamais vous marier. You're not gonna succeed. Vous n'allez pas avoir du succès. Very soon they're gonna see the greatness of God bientôt in your life. Ils vont voir la grandeur de Dieu dans votre vie. Don't hate your enemy. Ne haïssez pas vos ennemis. Don't pray God to kill them. Ne demandez pas à Dieu de les tuer. That's why the Bible says pray for them. C'est pourquoi la Bible dit priez pour eux. Bless them. Bénissez-les. Cause their presence parce que la présence is very necessary leur présence est très nécessaire pour votre percée. Say amen. Dites amen. So I went into prayer. Alors je suis allé en prière. And I prayed
to et God. J'ai prié à Dieu. I was just looking for je a rhema. Cherchais juste un rhema. One word. Une parole. One idea. Une idée. One thought. Une pensée. Not from me. Qui vient pas de moi. Not from my friend. Qui vient pas de mes amis. But from God. Qui vient de Dieu lui-même.